Devenir riche grâce aux crypto-monnaies n'est pas aussi facile que le laissent croire certains millionnaires qu'on voit sur Internet. Pourtant, les règles de l'investissement pour devenir riche en crypto sont quand même assez simples. 1. Diversifiez votre portefeuille. 2. Concentrez-vous sur le long terme. 3. Surveillez les cycles du Bitcoin qui sont rythmés par les halvings. Alors, petite parenthèse pour vous rappeler que le halving est un événement qui se produit tous les 4 ans. On a donc des cycles de 4 ans. Lors du halving, la récompense en Bitcoin des mineurs est divisée par 2. L'objectif principal du halving est de réduire la quantité de Bitcoins créés au fil du temps. C'est la raison pour laquelle on dit que le Bitcoin est une monnaie déflationniste, comparée aux monnaies fiat qui sont inflationnistes, puisqu'elles perdent de la valeur au fil du temps. Cela dit, si vous ne voulez pas vous embêter, vous pouvez aussi choisir d'investir dans des crypto-monnaies en appliquant la stratégie dite DCA. Le DCA crypto est le dollar cost averaging appliqué aux crypto-monnaies. Et donc, ça consiste à acheter régulièrement des crypto-monnaies telles que le Bitcoin, l'Ethereum ou d'autres crypto-monnaies. Et cette méthode vise à réduire l'impact de la volatilité de l'investissement global en répartissant l'achat sur de longues périodes. L'objectif principal de la stratégie DCA est de permettre aux crypto-investisseurs d'acquérir progressivement des crypto-monnaies sans se soucier des fluctuations du marché. Ainsi, le crypto-investisseur effectue des achats récurrents à intervalles réguliers, indépendamment du prix de l'actif à ce moment-là. Pourtant, vous pourriez oublier ces règles de base lorsque vous tombez sur un influenceur qui raconte qu'il est devenu riche du jour au lendemain en pariant sur une crypto-monnaie spécifique. Il y a effectivement quelques personnes chanceuses qui ont su acheter des cryptos au bon moment et qui sont aujourd'hui devenues millionnaires, et ça en très très peu de temps. Alors, je peux vous citer l'exemple de Glober Conte Soto. Il a investi toutes ses économies dans le Dogecoin, et 3 mois plus tard, son investissement valait plus $1 million. Vous pourriez sérieusement regretter de ne pas avoir misé dans l'une de ces crypto-monnaies, mais ne soyez pas trop dur avec vous-même. Choisir la bonne crypto-monnaie et devenir riche grâce à elle est beaucoup plus difficile qu'il n'y paraît. Il existe des tonnes de crypto-monnaies aujourd'hui. À ce stade, vous connaissez la crypto-monnaie originale, le Bitcoin. La valeur représente globale, la valeur du Bitcoin global représente environ la moitié des autres crypto-monnaies. Et à ce jour, il existe plus de 10 000 crypto-monnaies. De nouvelles cryptos sont pratiquement créées chaque jour. Le timing pour prédire la hausse d'une certaine crypto-monnaie est au mieux très difficile et au pire impossible. Les investisseurs peuvent se précipiter pour acheter ou vendre en raison d'événements imprévisibles comme un conseil sur X, ex-Twitter, ou parce que Elon Musk, le patron de Tesla, annonce le faire. Mais c'est un peu comme la bulle Internet. À l'époque où Internet était apparu, les investisseurs ont acheté tout ce qui avait un .com à la fin de leur nom. Mais avec les crypto-monnaies, c'est encore plus dangereux, car au lieu d'acheter des entreprises avec des bénéfices, vous achetez essentiellement l'idée d'un projet. C'est très difficile de réaliser une analyse fondamentale autour d'une crypto-monnaie. Les crypto-monnaies ne montent pas toujours, donc non seulement vous devez savoir quand une crypto-monnaie va prendre de l'ampleur, mais vous devez également l'acheter pendant sa montée. Si vous aviez acheté pour 1000 euros de Bitcoin à la mi-2017, avant que son prix ne monte en flèche, vous auriez pu gagner plus de 8000 euros lorsqu'il a atteint son pic plus tard cette même année. Mais si vous aviez acheté la même somme au sommet du bull run et vendu un an plus tard, vous auriez perdu plus de 800 euros, c'est-à-dire presque tout votre investissement. Même si vous aviez investi dans le Bitcoin à ses débuts, il vous aurait fallu des nerfs d'acier pour conserver au fil des ans le Bitcoin.
en regardant le graphique historique du Bitcoin, vous auriez dû suivre, enfin, vous auriez dû survivre plutôt, survivre et tenir bon à travers plusieurs périodes où votre investissement perdait plus de 50% de sa valeur en quelques semaines.